Alors, je vais vous montrer comment faire clignoter un point ou un texte. Alors, je suis dans Fusion, je vais créer un texte, je vais prendre un arrière-plan, un nœud texte, je vais relier mon arrière-plan à mon texte, je vais entrer mon texte ici en entrant HD simplement. Donc maintenant, si je veux faire clignoter mon texte, je sélectionne mon nœud texte, je vais ici sur le petit pinceau et là sur opacité, je vais faire un clic droit, expression. Ici, je vais rentrer sin time et je vais faire entrer pour valider. Alors, cette formule va faire varier la valeur d'opacité entre 0 et 1 en fonction du timecode de mon plan. Donc si je fais play, on voit que ça clignote. Alors ça clignote un petit peu trop vite à mon goût. Alors pour le ralentir un peu, je vais faire diviser par 2 ici et multiplier par 2 ici. Je vais faire entrer et on va voir le résultat. C'est déjà mieux. Alors maintenant pour faire un point rouge, je vais prendre un arrière-plan. Je vais y mettre une ellipse, mon arrière-plan, je vais le mettre en rouge. Je vais sélectionner mon ellipse. Je vais réduire la taille. Alors, petite astuce pour réduire la taille, je vais faire expression et avec le petit plus, je vais mettre la largeur et la longueur attachées. Je vais faire entrer. Et maintenant, quand je modifie juste la largeur, les deux se modifient en même temps. Maintenant, ici, au niveau level, je vais aller copier la même expression que tout à l'heure, ici. Donc, en faisant un clic droit, expression. Là, je vais faire coller, je vais faire entrer. Et maintenant, alors, je vais déplacer mon point pour qu'on puisse voir. Et maintenant, si je vais à l'origine, je vois bien mon point qui clignote. Pour relier les deux, je vais glisser un merge. Je vais connecter mon ellipse à mon merge. Je vais connecter mon texte à mon media out. Je vois maintenant mon HD et mon point. Et maintenant, si je vais à l'origine de mon plan, les deux clignotent en même temps, car les deux ont la même expression basée sur le même nombre d'images.